Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des Indéprimés. Aujourd'hui, on se retrouve à jouer à Into the Dead, Our Darkest Days, un jeu que j'attends énormément. Vous savez, moi, depuis 2010, je suis fan de zombies et je n'ai toujours pas arrêté. Et en fait, on est sur une espèce de mélange, vous allez voir, de plein de trucs différents. This move is strictly to facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city and eradicate the... Huh? Hold tight, secure your homes, and I assure you, hello? The tide will turn. God bless you. God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash, but if you are, know this. Nobody is coming to help you. There's no plan. They... Look, what they did... It's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. L'ambiance est plutôt cool. Alors du coup, de quoi ça parle ce titre-là? En fait, c'est tout simplement, il faut le voir comme une forme de This War of Mine, c'est quoi, c'est Deadlight, non, c'est ça? Deadlight, je sais plus comment ça s'appelait, ce jeu fait par, Tequila Gameworks, c'était il y a quelques années maintenant sur le Xbox Live Arcade. Alors du coup, là, on peut choisir un couple de persos, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon allez, on va prendre eux, on s'en fiche, hein, c'est vraiment là. Du coup, pour se lancer dans la démo, du coup, qui est publique, il y avait du coup des accès il y a quelques jours, mais je l'ai pas eu, c'est pas grave, on fait la démo maintenant. Alors, donc voilà, là on a vraiment le côté un petit peu This War of Mine, en fait, où c'est un petit peu du scroll, c'est du scroll horizontal, où en fait, voilà, on contrôle bien le perso, hein, justement, et le but, bah, ça va être... d'interagir avec pas mal de choses. Voilà, là, il y a les zombies qui veulent déjà nous vénérer. Très bien. Alors, je sais pas à quel point... Hop, préparer le pillage. Ok. Ouais, c'est vraiment This War of Mine, hein, pour le coup. On est vraiment sur une proposition un peu comme celle-là. Ok, là, en fait, on est un peu... C'est pas ouf, en vrai. Lancer les actions. En fait, on est dans un vieil appartement. Ajouter un survivant. Non, nous on veut déménager, on a dit. Lancer les actions. Ok, nuit. Ah. Ok, donc là, du coup... Donc là, plus j'avance dans le temps et plus les barricades se font fracasser. Donc ce qu'il faut que je fasse, là, actuellement... C'est... Voilà, que je rétablisse ça. Ok. Ah oui, je peux prendre l'autre perso, d'accord, ok. Ok. Ah, c'est vraiment comme This War of Mine, on est vraiment sur une proposition assez cool. Visuellement, vous le voyez, hein, je pense que c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup cette proposition-là. On va préparer le pillage, on va y aller. Hop. Donc là, du coup, ça veut dire qu'on va emmener notre gars là-bas, non, c'est bien ça. Ok. Alors, on va lancer les actions, ok. Prendre un survivant est définitif.
Ah non, perdre un survivant, ok. Et ce petit côté, du coup, peut-être State of Decay, effectivement. Et là, voilà, on va jouer le survivant. Ok, ouais, c'est vraiment comme This War of Mine dans la proposition. J'aime beaucoup. Retourne à l'abri, ok. Alors voilà, on peut se baisser. Plutôt assez cool. Donc là, le but, évidemment, ça va être de choper le maximum de ressources possible. Hop, mince. J'ai fait n'importe quoi. Ok. On va y aller mollo. Je crois que j'ai pas d'armes. Ok, là j'ai ma lampe. Très bien. Je peux frapper. Ah oui, du coup là, est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir? Ah oui, ok. Voilà. Là, ça me permet de voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Se faufiler. Je pense qu'on est vraiment dans la partie tuto, hein. Ok, il y a un zombard juste ici. Ok, ça a l'air d'être assez automatique comme jeu. Dans le sens où si on est baissé, le zombie nous entend pas. L'ambiance est très très cool. Du steak, des légumes, on est parti. Ok. Y a rien, on va passer derrière. Peut-être éviter, hein. On va peut-être éviter. Nouveau lieu découvert. Ok. Donc ça, je suppose, nous a ajouté des trucs sur la carte. On va tout prendre. Hop. On va descendre, s'il veut bien. Ok. On peut faire une élimination discrète. Ok, oui, c'est vrai, j'ai okay, le perso a un couteau. Ah, et là, par contre, j'ai pas de quoi faire ça. Non. Retourne à l'abri. Ok, ça marche. Le principe est exactement pareil que This War of Mine, effectivement, des petits trucs. Enfin, ça fait passer la nuit, du coup. Ok, cool. Donc là, j'ai récupéré de quoi. Et là, logiquement, les barricades sont prêtes ou pas? Ah si, c'est ça, du coup, ça m'a rajouté 3 planches de bois. Donc c'est-à-dire qu'il faut constamment que... J'ai trop mal aux pieds. Ok, donc lui, on va le faire bouffer d'abord. Comment est-ce qu'on mange? Comme ça? Ok, comme ça. C'est assez simple. Je vais voir ce que j'ai récupéré, par contre, du coup, en termes de cartes. D'endroits à les piller. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai débloqué en regardant, du coup, dans la jumelle. Ah, abri potentiel, ok. Préparer le pillage. Donc il faut d'abord que je visite l'endroit pour en faire ensuite mon abri. Ok, cool. On fera ça tout à l'heure. Donc ça, c'est les trucs que je mets à l'intérieur, ok. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un ciseau pointu, manipulé avec précaution. Ah oui, c'est ça que j'aurais dû prendre tout à l'heure. Que je n'ai absolument pas fait, et là je suis pas allé dormir avec mon perso, ce qui est un petit peu con. Est-ce que je peux annuler mes actions? J'ai pas l'impression. Ouais, non, c'est-à-dire que mon perso là il va sûrement mourir parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Ok, donc là elle, on va lui faire manger ça. De la malbouffe. Est-ce qu'on peut lui faire crafter ça? Non, parce qu'on a plus assez de planches. Ok, il va falloir que j'arrive à récupérer des planches un petit peu plus tard. Alors. Ok, mais j'ai entendu des zombies. Quelqu'un occupait l'endroit. Il est un peu gros ce zombie, hein.
Ah, là, c'est bloqué. Alors lui, il bouge, ce qui va pas être facile. On va peut-être tester le corps à corps un peu, justement. Merde. Oh merde. Je me fais défoncer. Ok. C'est possible de se battre à main nue, du coup. Plutôt chouette. Ok, c'est plutôt cool ça, du coup, j'aime beaucoup. Où on peut quitter l'inventaire en appuyant sur Tab. Ça, c'est plutôt bien fichu. Ça évite de déplacer notamment son pouce vers la touche échappe. Et là, on commence à récupérer des trucs pas mal intéressants. J'ai récupéré une planche de bois notamment. Ça va me permettre potentiellement. Hop. Oh putain, merde! Merde! Absolument pas fait attention du tout. Ok, j'ai fait de la merde. Ok, donc là je peux déverrouiller la chaise, je suppose, voilà, pour me permettre de partir. Alors là, je vais moins y aller comme un bourrin. Ah ouais, là par contre je commence à avoir des trucs cool. C'est quoi ça, une poêle? Falloir que je commence à faire des choix. Bouteille d'eau. Ça, je vais virer. Ça, je prends. Boîte en bois. Ça, je vais virer. Je vais plutôt prendre ça. Et je suppose qu'on peut faire des recettes au fur et à mesure et tout. Ok, retourne à l'abri. Ça marche. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des petits éléments. C'est plutôt pas mal. Et après, je suppose qu'on va pouvoir rencontrer bah, des potentiellement, je suppose, des survivants. A perdu, a gagné, effondrement. Bon, quel personnage il est en PLS là. Attaque de mort-vivant. Alors lui, je vais le faire dormir, ce qui fait que du coup, en gros. Ok, donc là il est au dodo. Parfait. Et elle, du coup, elle, il faudrait que j'aille la faire dormir également. Mais avec ce qu'on a récupéré, voilà, logiquement. Voilà, c'est ça. À ôter dernier de fil. Ah voilà, ok. Donc là, je peux lui dire, je peux lui faire annuler la dernière tâche en cours. Ok. Donc là, on est parti. Logiquement, on va passer en jour. Voilà. Hector, est-ce qu'il va mieux? Il a pas dormi de ouf, Hector, hein. Il est un peu en PLS encore. Préparer le pillage, changer d'abri. Alors, on va changer d'abri pour voir ce que ça fait. Chose qui était également possible dans This War of Mine. Ok, on s'est installé du coup dans le magasin de disques. Station de construction. Ok, donc un petit établi justement. Ok, cool. Et là, on va avoir l'aspect forcément gestion. Zone de cuisine, ok. Ok, je peux fabriquer une zone de cuisine, ça c'est cool. Ah oui, je peux lui donner, d'accord, une liste de tâches. Très bien. C'est très très intéressant ça. Elle, elle va dormir du coup, et je pense qu'on va lancer ça. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît vraiment pas mal. Et là, logiquement, voilà.
Il y a la zone de cuisine qui est arrivée. Voilà, trop bien. Ok. Soupe de légumes. On va pouvoir faire... Allez, un petit ragoût de viande. Et là, logiquement, je peux lui mettre ça aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, et je peux lui faire préparer ça. Donc, du coup, pendant toute la journée, il va cuisiner. Ok. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Elle, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? On va la faire partir un peu en exploration derrière. Quoique. Établi d'armes. Ah non, il nous manque quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc elle va partir en exploration. Ah, c'est cool, c'est vraiment un... Je kiffe le principe, c'est vraiment trop, trop cool. Trop, trop cool. Je suis très, très fan pour l'instant de la proposition. Quincaillerie. Bon, on va en trouver des trucs. Ah, densité de zombies moyenne. Par contre, ça devrait être un peu vénère par là-bas. On va quand même y aller. Et on va prendre une poêle pour se défendre. Allez, soyons fous. Ok. Je trouve que le côté gestion est pas chiant du tout. Ça marche très très bien, c'est assez intuitif. Je suis assez fan. Comment ça, chercher la possibilité de grimper? Ah, trop bien. Ok. Cool. Ok, on peut escalader. Est-ce que je peux le défoncer du coup? Ah ok, donc là je peux me planquer. Mais là on est d'accord, je vais me faire remarquer. J'ai complètement me faire remarquer. Surtout si je fais ça, non? Ok. Ok, vraiment les zombies en arrière-plan, en gros, tant qu'on fait pas de bruit, c'est bon quoi. Ok. Alors le perso a pas l'air de faire de bruit non plus quand on cherche, pas grand dans State of Decay, où notamment, bah, si on fait trop de bruit, ça peut être compliqué. Lui, ça a l'air d'être un flic, j'ai l'impression. Ok, j'ai l'impression que j'ai fait un peu de bruit là. Ok, j'ai déjà plus de place dans l'inventaire. Oh merde. Oh putain, ok. Merde. C'est vraiment super cool, je kiffe. Ok, dépôt de taxi, commissariat, salle d'arcade. Très bien. Ok, alors est-ce que j'ai réveillé du zombie? Parce que ça a gueulé depuis tout à l'heure. Merde. Alors il y a lui. Lui c'est un flic. Il faudrait que j'arrive à l'avoir par derrière. Est-ce que je peux pas juste me faire repérer là? Non, ça a pas l'air. Arme détruite. C'est pas très grave. Là, je peux pas passer dans le bureau, non. Ce jeu me subjugue, je kiffe de ouf, c'est trop trop bien. Ok. Ça c'est bon, les planches aussi. Merde, c'est quoi ce bordel? Donc là je vais... Ah oui d'accord, il y a un... Merde, 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 merde! Oh putain, le con, le con! Oh putain, non, non, non! Oh bordel! Putain, putain, putain! Ok.
On savait, ils montent pas aux échelles. Ils m'ont fait flipper, ces cons. Ok. Ah non, 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 non. Ils vont faire des allers-retours. Bon, allez, je vais les attendre. Oh putain, les salauds. Merde. Ouais, là, mon perso, il est un peu en PLS. Ok. Il est vraiment en PLS. J'ai rien pour me soigner. J'ai strictement rien. Là, ça devient un peu compliqué. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Retourner à l'abri, oui. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là, concrètement. On a vu ce que ça donnait. Clairement, il faut le voir comme un aspect gestion un peu State of Decay avec This War of Mine. Très très grosse inspiration, évidemment. J'aime beaucoup la proposition, en tout cas. C'est vraiment trop trop cool, un jeu que j'attends énormément. Le premier trailer, alors qu'il n'indiquait pas grand chose, hein, mais c'était plus un trailer d'intention et c'était vraiment canon. Et là, on a la confirmation que bah, ça a l'air vraiment canon, tout simplement. Et du coup, Hector, il a fini. Il a fini, du coup, ses ragoûts et sa soupe de légumes, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je pense qu'on va se laisser là parce que c'est vraiment très chouette. En tout cas, voilà, la démo est disponible, donc ça s'appelle Into the Dead, Our Darkest Days. Je ne me souviens plus s'il y a une date de sortie prochaine ou pas. En tout cas, là, on est sur la version alpha, donc potentiellement, on est sur du 2025, je pense. Hein. Je pense pas trop m'avancer là-dessus, mais voilà quoi, trop me tromper là-dessus. Alors, en tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne des Indéprimés, et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao!